Petite demeure, donc on va pas y aller par quatre chemins, Villa Albanaise. On a un peu fait le tour avant, déçu. Voilà. Mais je vais le garder pour le mot de la fin quand même, pour expliquer. Pas grand chose à raconter. Voilà. Bon, on va voir ce qu'elle vaut, hein. Elle est partie pour la visite? Allez, je te suis. Allez. Là, deuxième étage, on est sous les toits. Il reste encore une mezzanine. Là, c'est le pigeonnier quand même. Il y a de la merde de pigeons partout. Hein. On va pas trop traîner ici. Par contre, c'est squatté. Donc, ici, t'as une chambre. Et là, je vais me trouver. Je sais pas, ils ont fait un semblant de cuisine. Voilà. Enfin, cuisine, je dis ça parce qu'il y a une tasse, mais bon. Tant que je suis là, je vais te faire le mot de la fin. Allez. Oh la vache. Voilà. Voilà. Ouais, vraiment déçu. Hein. Donc elle est connue dans l'urbex, Villa Albanaise. Après, c'est juste une grande maison qui a du potentiel, mais est vide. Donc il reste plus rien, 2-3 meubles. 2-3 mises en scène. Sympa pour les photos. Et squatté au dernier étage dans le pigeonnier. Enfin, le pigeonnier, le grenier qui est devenu un pigeonnier. Voilà. Bon. T'as quelque chose à rajouter, non? Non. Non. Bon. La suite au prochain épisode? Si tu le dis. Allez, c'est parti. Salut!